Ce résumé vous est présenté par Hôtel.com et Mastercard. Sponsor de l'UEFA Champions League. Il me semble qu'il y a hors-jeu là. Attention, okay. Attention, c'est important parce que c'est une balle de but. Et Mignolet, pour moi, hors-jeu, heureusement, voit l'assistant lever le drapeau. Thomas, vous faites un excellent juge de ligne. Et effectivement, hors-jeu, Nkoukou. Écoutez là, mon bon Thomas, heureusement qu'il y a hors-jeu parce que cette relance de Mignolet, elle n'était pas optimale. C'est ici avec Forsberg. Hein. Attention parce et que l'alignement non plus. Hein. Non, vous êtes certain de ce hors-jeu. C'est Nsoki qui pourrait couvrir, mais il n'y a pas l'air d'avoir de grosses discussions. Autant dans le direct, j'avais cette impression que Forsberg était hors jeu, autant sur la ralentie, j'ai l'impression qu'Nsoki couvrait. Ah, il y a but. Il donne but malheureusement. Aïe aïe aïe. Le mauvais alignement des Brugeois est sanctionné directement après 6 minutes. C'est pas possible. Hein. C'est bien, quelques récupérations de la part de Bruges et un Lang omniprésent. Et il est parti d'ailleurs de Kettelaar. De Kettelaar pour rendre à Van Aken. Et encore un arrêt, Goulachi. Aïe, 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 Bruges ne parvient pas à marquer. Avec une nouvelle récupération et une frappe directement là dans la foulée. Il n'y a pas trop de soucis, c'est Mukele. Ça me frappe vraiment le nombre de ballons récupérés assez haut. Il me semble qu'il est hors-jeu. Kettelaar est passé, il est passé. Et est-ce que Mata peut frapper? Clinton Mata pour frapper sur Goulachi, c'est pas fini. Van Aken maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un hors-jeu de Kettelaar? Si, le drapeau est levé. Encore une situation, Thomas. Énorme. Bientôt la moitié de cette première période et c'est ballon qui revient vers de Kettelaar. Il faut donner le ballon au bon moment de Kettelaar. Et le but, oui. Le but de Van Aken et le drapeau est encore levé. C'est pas possible, dites-moi. J'aimerais revoir cela. Oui. Non, c'est Balanta là. Ah, c'est Balanta. Et il y a de Kettelaar qui a un pied au jeu. Décidément, ce serait pas mal. Hein. Ah ouais, ce serait pas mal. Ah, oui. Il est là, ah, il tombe. Allez, super, ça le but pour Bruges. C'est une histoire de centimètres hein, depuis le début du match. Incroyable. Et là, on est content. Allez, ballon arrêté. Attention. Et Poulsen qui récupère ça. Pas de souci pour Simon Mignolet. Mais ce ballon est tout de même pour Bruges. Lang a prolongé son effort. Sowa avec Mata. Lang encore. Mata en deuxième zone. Est-ce que Van Aken peut reprendre? C'est croqué, ah oui. Ça. Mais ça c'est rentre but. Ça rentre. C'est 1-2 pour Bruges. Incroyable. C'est Ritz. C'est mérité en plus. Bruges passe devant. Bravo Brugeois. Bravo à Philippe Clément. Qui pote ça et là ils se sont gênés heureusement d'ailleurs et ce ballon va un peu dans tous les sens, espérons que ça ne rentre pas et ça ne rentre pas. Balanta il est KO, pourtant il a la tête dure hein. Ouais. Oh là là, c'est parti fort. Attention à ce ballon vers Poulsen. Poulsen pour frapper du gauche et il dévisse, en tout cas c'est contré, tant c'est mieux contré, en effet. Là, est-ce qu'il y a pénalty ou pas? Non. Mignolet. Lang dans le mur. Ça part et ça c'est bon. Ça c'est bon. Des pareils.
Il y a du danger là, c'est bien défendu. Pas perdu. Part de Matas dans le premier temps. Par contre, la suite est moins bonne. Ah, méfiante. Oh, Mignolet. Oh, super arrêt de Simon Mignolet. Allez, il faut bien faire ça. Il faut bien gérer ce contre. Noah Lang. Il est capable d'y aller seul. Un coup à la Lang. Et il ne marque pas. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Vous avez raison de souffler parce que c'est pas terminé. Mata pour se jeter. Corner. Et corner. Ce résumé vous a été présenté par Hotel.com et Mastercard. Sponsor de l'UEFA Champions League.